Tropizero pour BGP Music Live. Est-ce que tu peux présenter l'univers du groupe? Alors le groupe, c'est un projet de musique cinématique qui se développe autour de l'univers de science-fiction au sens large. Donc les inspirations sont assez diverses. Ça peut être tout ce qui est univers cinéma, BD, animation. On a des styles de musique qui sont très larges. Ce qu'on va faire, ça peut être de l'électro, ça peut être du rock, du métal. On a des ambiances plutôt calmes. On a même des influences un peu jazz dans certains titres. Donc c'est assez large de ce point de vue-là. Et de point de vue des inspirations, voilà, on va taper dans plein de choses. Hein. Ça peut être du Blade Runner, ça peut être du Alien, ça va être du Evangelion et toutes ces choses-là. Quoi. J'ai vu, vous avez teasé le dernier clip. Il va y avoir de quoi, des Master Chief, des... Ce que tu as vu là sur notre Facebook. Ah, voilà. Alors ça, c'est un clip qu'on a tourné la semaine dernière. Qu'on a tourné dans un cinéma avec plein de cosplayers. C'est un titre qui va être dédié aux jeux vidéo, type FPS futuriste et FPS forcément, et tir, j'allais dire, tir à la première personne. Donc en fait, c'est un titre du prochain album qui va bientôt, pas bientôt sortir, mais qui est bien avancé. On a utilisé le temps du Covid pour travailler. Et donc ce titre-là était vraiment intéressant à développer en clip. Avec, donc, comme je disais, des cosplayers high level, donc on a du Halo, on a du Mass Effect, on a du Fallout, on a plein de choses comme ça. On a essayé de faire des scénettes pour les mettre en valeur et les intégrer dans l'univers, tout en jouant sur le sujet. Un titre assez, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'ambiances différentes, qui va vraiment de l'électro presque club, après on passe à du métal avec de l'épique et des percussions, donc des choses très variées. Et donc c'est un clip qui sortira, la date n'est pas encore figée, mais qui sortira probablement avant la fin d'année, puisque j'ai déjà bien avancé sur le montage et la post-prod. On peut nous donner le nom du titre ? FPS. FPS ? Ouais. Donc FPS pour First Person Shoot ou FPS Frame Per Second, ça dépend. On est aussi, j'ai pas dit dans l'intro, mais on est mon frère et moi, on est des gamers. Donc c'est aussi des choses qui nous inspirent beaucoup pour ce qu'on fait. Et donc là, on voulait faire un titre vraiment dédié aux jeux vidéo et un titre qui parle à celui qui connaît un peu ces univers-là. C'est toujours instrumental, quoi, tu chantes, cette fois ? Sur ce titre-là, toujours instrumental. Sur les autres titres qui ont été créés, je me suis mis au micro, avec toujours l'idée de dire, je vais pas chanter, je vais pas grôler comme un groupe de métal. Quelque chose de supplémentaire, donc je vais utiliser beaucoup d'effets sur ma voix pour apporter des touches vraiment à certains endroits du titre pour passer des messages peut-être plus précis cette fois-ci, mais toujours en trafiquant ma voix pour rester dans un univers cyberpunk un peu et pas et sortir un peu des sentiers battus, même si je ne vais pas révolutionner la chose en ce qui concerne ma voix, mais voilà, faire des choses un peu plus dans le niveau du son que vraiment une voix humaine pure et dure. Justement, j'ai oublié de te faire présenter. Comment ? Toi, te présenter. Personnellement ? Ta place dans le groupe. Alors, moi, je suis F2301. Je suis le fondateur du projet. Dans le projet, c'est moi qui crée l'intégralité du contenu, c'est-à-dire que c'est moi qui compose les chansons, qui crée les vidéos en live, parce que comme je disais, c'est une musique cinématique, donc en fait, on peut pas vraiment dissocier la musique des images, enfin c'est un peu réducteur, parce qu'en fait, c'est pas juste, enfin, en concert, on est presque sur du ciné-concert, c'est-à-dire qu'on a une synchronisation entre la vidéo et la musique, avec des pseudo-scénarios, etc. Donc ça c'est aussi une partie très importante de la création de l'univers dans le groupe. Et je joue du... Donc ça c'est pour la partie création, donc je compose tout. Et sur scène c'est moi qui suis donc au synthé et à la guitare clavier. Kétard, c'est un peu moins ringard. Et la subtilité c'est que dans le projet on a essayé d'aller un peu plus loin que simplement jouer du synthé, c'est-à-dire que je joue de la guitare électrique avec mon kétard.
mais avec un rendu qui me semble plutôt correct. À chaque fois, les gens sont assez bluffés quand ils nous voient en live. Ils disent, mais vous n'avez pas de guitariste? Je dis, si, c'est moi. Et de fait, quand je joue, quand je commence à jouer, ah oui, bah, dis donc, c'est, enfin, aujourd'hui, forcément, avec la technologie, on peut faire plein de choses. Donc, c'est la petite subtilité. Et mon frère qui n'est pas là aujourd'hui, donc lui, c'est 4K74, donc il est à la basse. Une basse un peu traficotée, c'est pareil, on passe pas par des amplis, nous on passe tout par du virtuel. Ça permet de faire beaucoup plus de choses, même en live, et de travailler des sons. Il joue pas juste une basse, enfin, même si c'est pas réducteur de jouer juste de la basse, mais voilà, ça lui permet de faire d'autres, enfin, d'aller un peu plus loin en termes de travail du son et d'apport sur le live. Donc aujourd'hui, on est deux, parce qu'on s'est séparé de notre batteur depuis peu. Et sur le dernier album sorti en date, Madman Machine, une expérience. Parle-moi de l'histoire de cet album, ce que tu voulais raconter avec celui-là. Alors l'album, ce premier album, c'est un peu, comment dire, j'ai cherché un peu, ça m'a permis de définir un style pour le projet. On peut dire que c'est le brouillon, mais presque. C'est-à-dire que bon, j'ai fait de la musique depuis que je suis tout petit. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenu sur scène. Et je continuais à faire de la musique à l'image, pour des courts-métrages, des jeux vidéo, des choses comme ça. Et là, je voulais faire un projet pour revenir sur scène. Et l'idée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je veux pas juste revenir sur scène. Hein, j'avais aussi des groupes de métal et choses comme ça. Et comme la science-fiction, c'est un truc que j'adore depuis très très longtemps. Et comme j'adore le cinéma et j'adore surtout la musique de film, d'ailleurs c'est principalement, j'écoute principalement que des musiques de film. Je me suis dit, moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin que simplement jouer de la musique live sur scène. Je veux vraiment créer un univers musique et vidéo. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'était de dire, voilà, je veux venir autour de la science-fiction. Et donc pour l'album, bah, j'ai repris tous les styles que j'aimais. Donc on retrouve un peu du rock et du metal. J'en écoute depuis un paquet d'années. Il y a un peu d'influence jazz, comme je disais, parce qu'à la base, je suis un pianiste jazz. Mais il y a des trucs vachement plus mélodieux et plus calmes, parce que c'est aussi pour. Ça permet de varier ce qu'on peut raconter sur scène. Et puis il y a une partie électro assez forte, puisque voilà, il y a un côté futuriste. Et puis bon, je suis un peu un geek du son, donc c'est intéressant de pouvoir travailler des sons différents et de pouvoir les mettre en œuvre. Et donc Mind Machine, qui était un EP, puis après Mind Machine, A New Experience, qui était l'album, un peu comme un upgrade de jeux vidéo. Voilà, l'idée, c'était de dire, donc si on écoute le premier track de l'album, on a l'explication en fait de ce qu'est l'album, à savoir que Mind Machine, c'est une machine que vous branchez sur l'esprit en quelque sorte et qui vous permet de partir dans des univers divers et variés au gré de vos envies. Qui fait directement écho à Entropie Zéro, qui est le nom du groupe, du projet. L'entropie étant la capacité d'un système à. Comment dire ça simplement? L'entropie définit le chaos d'un système. Et plus le système est chaotique, plus l'entropie augmente. Donc, par exemple, quand l'univers est né, si on peut parler de naissance de l'univers, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais bref. Au début de l'univers, l'entropie est égale à zéro. Et au fur et à mesure que l'univers évolue et se diversifie, etc., l'entropie augmente. Donc entropie zéro, ça signifie qu'à chaque nouveau titre, on repart à zéro et on peut partir dans une direction complètement nouvelle et explorer des univers complètement différents. C'est ça l'idée. Donc à chaque fois, tu as une histoire différente, un chapitre différent. Voilà, c'est ça. Sur le premier album, chaque titre, pour moi, ça représente une histoire particulière dans ma tête. Que j'ai pas forcément expliqué, parce que c'est pas le but. L'idée, c'est de, voilà, quand je compose une chanson, je pense à quelque chose, enfin, je pense à un thème de base, puis après, je vais composer quelque chose sur ce thème, et puis au fur et à mesure que j'avance dans la composition, j'ai une histoire qui se crée dans ma tête. Quand j'ai fini la compo, hop, je passe à la vidéo, comme je disais, et là, je rajoute des éléments supplémentaires par rapport à l'histoire que moi j'ai dans ma tête, pour essayer d'avoir une cohérence sur l'ensemble. Et après, par contre, celui qui va écouter la musique ou qui va venir nous voir en concert, je laisse quand même assez libre le champ. Donc en fait, il y a une trame, mais il peut partir dans une direction qui est complètement différente. Et je trouve ça même plutôt sympa quand à la fin d'un concert, quelqu'un va me voir, ah ben, ce titre était vraiment bien. Moi, ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça. Je m'imaginais
voilà, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que moi j'imaginais. Mais c'est très bien, c'est fait pour ça. C'est le but du projet, c'est vraiment de stimuler l'imaginaire, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai pris le parti de faire quelque chose d'instrumental, même si maintenant je vais rajouter un petit peu de voix. Parce que pour moi, mettre une voix, mettre un texte, ça limite beaucoup plus l'évasion possible. Quand il y a quelqu'un qui vous raconte une histoire, bah, l'histoire peut être super et c'est génial, mais en termes de créativité personnelle ou de réinterprétation, c'est vachement plus limité. Alors que quand on a juste une musique avec des images un peu subjectives, bah on a un champ beaucoup plus large pour s'approprier le titre et dire, bon ok, moi je pars là-dessus, je pars dans les étoiles, ou je suis sur un bateau, je sais pas, je suis dans la ville, etc. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les gens puissent, en fait finalement quand on vient en concert, des fois les gens ils nous regardent même pas, ils regardent l'écran, on voit qu'ils sont partis dans leur imaginaire, et c'est ça qui est génial. Enfin en tout cas moi c'est ça que je trouve intéressant. J'ai l'impression qu'il y avait des combats aussi sur With the Titans. Oui, alors ça c'est le titre un peu plus péchu de l'album. Et là ça fait référence à tous aux monstres, hein, les titans, les kaiju, je sais plus. Kaiju. Ouais, les kaiju japonais. Voilà, c'est clairement inspiré de ça. J'avais collaboré avec un sculpteur aux États-Unis qui faisait justement des kaiju et qui avait créé des choses assez classe en sculpture. Et en fait, en parlant avec lui, je lui dis, ah, je vais faire un titre là-dessus. Et du coup, le gars a fait des illustrations, en fait, dessinées. On a un peu travaillé ensemble, moi j'ai fait la zik et lui il a fait des illustrations pour un peu alimenter tout ça. Et en live, forcément, j'ai animé ces animations pour les mettre en jeu. Donc voilà, là, ça raconte un peu l'histoire d'une créature, voilà, un peu classique, hein, qui va s'échapper d'un laboratoire et puis et un peu détruire la ville et puis derrière qui va se faire détruire enfin, chasser par l'armée. Très classique, hein, mais voilà. Et au final, bon, la créature, c'est un peu comme King Kong, hein. Qui est le méchant, qui est le gentil, on ne sait jamais vraiment trop. Moi, je prends le parti de la créature, mais après, voilà, c'était ça l'idée. Donc c'est pour ça qu'elle est plus péchue et plus rentre-dedans, parce qu'on est dans du conflit, dans du combat, comme tu pouvais le dire. Et parle-moi du mix et dans tout ce son. Ça se passe comment pour la batterie? Alors, sur cet album-là, tout a été fait de manière électronique. Sauf la guitare. J'exagère. Sauf la guitare électrique qui a été jouée par un pote à moi qui figure pas sur le projet. Enfin, qui est nommé dans l'album, mais qui n'est pas en live avec nous. Donc, concernant la batterie, c'est de la batterie programmée. Et voilà. Que j'ai composée. Et qui est voilà, produite via un ordinateur. Ça sonne plutôt organique que pour la programmation. Ouais, c'est vrai. Bon, comme je dis, ça fait un paquet d'années que je fais de la zik et que j'en fais beaucoup sur mon ordinateur. J'ai fait plein de trucs différents. Donc, ouais, c'est toujours perfectible, hein, mais voilà, je pense que je maîtrise bien quand même les environnements d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut vraiment, par rapport à quand je faisais de la musique il y a 10 ou 15 ans, où là, il fallait vraiment, c'était le système D pour sortir une démo de qualité ou se faire plaisir. Aujourd'hui, presque, j'ai envie de dire, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Je parle rendu de sonore, hein. Je parle pas de si c'est bien ou si c'est pas bien. D'ailleurs, je sais pas si ce que je fais c'est bien, mais je veux dire, moi, techniquement, aujourd'hui, n'importe qui peut faire presque n'importe quoi. Et moyennant un peu de travail et passer un peu de temps dessus, c'est sûr que il n'y a pas de choses aujourd'hui, et peut-être que ça changera encore dans le futur, où on appuie sur un bouton, et encore que ça commence à arriver malheureusement, mais on appuie sur un bouton et tout se fait tout seul. Mais voilà, en travaillant bien ce qui existe aujourd'hui en termes de logiciels, de samples et de programmation, parce que finalement, même avec un bon sample ou un bon instrument virtuel, si la programmation elle est à chier, ça va sonner à chier. Ça c'est clair. Après voilà, Et dis-moi si c'est clair ou comment si. ça se passe pour la composition du titre? Parce que tu fais, c'est hyper varié. Ouais. Tu as des plans, des fois on se prend en Ouais. bataille et tout. Comment tu fais pour décider du plan du. Bah, ça revient un peu à ce que je disais. Pour moi, c'est l'histoire qui fait ça, l'histoire que j'ai dans ma tête. C'est-à-dire que moi, je parle du principe couplet, refrain, tout ça. C'est pas du tout l'idée du projet, quoi. On est clair là-dessus.
Moi, ce qui m'inspire, donc, c'est le pitch dans ma tête que je me dis, tiens, je vais parler d'un monstre, tiens, je vais parler d'un mec qui va dans un club de jazz, tiens, je vais parler d'un mec qui va dans l'espace ou qui va explorer une planète. Voilà, ça me donne un point de départ. Et puis, bah, moi, je travaille mes sons. J'ai plein de sons différents, voilà, plein de, des synthés, des machins, du virtuel, du pas virtuel. Donc, je travaille des sons. Puis, je me fais un patchwork, un truc de travail, en fait. Alors, j'ai mes sons de base que je vais garder, des choses de. Voilà, une batterie acoustique, ça je vais toujours en avoir une guitare électrique, des sons bien spécifiques que j'aime et que j'aime bien mettre souvent, mais j'ai plein d'autres trucs. Et même du sound design, c'est-à-dire des bruits qui sont pas des instruments, mais simplement des sons. Et puis en fait, avec l'histoire, bah, je me dis, ah bah tiens, si je parle d'un mec dans un club de jazz, par exemple, un club de jazz cyberpunk, bah, à un moment donné, il va y avoir une trompette ou il va y avoir un son un peu glauque qui fait penser à Hobart ou qui fait penser à un mec qui rentre. Si c'est un monstre, bah, je vais mettre des cris de monstre, ou si c'est, etc. Et donc, à partir de ça, je vais sélectionner des sons, puis je vais commencer à composer des riffs. Et puis là, je vais me mettre dans l'ambiance, en fait, parce que je vais créer l'atmosphère du pitch que j'ai dans ma tête. Et une fois que ce point de départ est créé, je vais créer un riff, ça va être le riff un peu central, on va dire. Et bah après, hop, comme j'ai une histoire qui mûrit dans ma tête, je me dis, bon, bah là, il se passe ça, donc c'est ça. Hop, là, il se met en action, donc il se passe ça. Puis là, il va se poser, alors ça devient plus calme. Puis après, je vais quand même avoir une construction musicale un peu classique. Il faut quand même répéter un peu les choses, sinon les gens, enfin, c'est quand même pas du cinéma qu'on fait, quoi. C'est que ça reste avant tout de la musique, et de la musique pour faire du live. Donc si c'est trop compliqué ou trop tarabiscoté, les gens vont être perdus et c'est pas assez catchy. Donc il faut garder ce côté catchy quand même pour le live, pour que ce soit intéressant. Donc voilà, c'est un mix entre le fait de dire, voilà, je vais plutôt créer une histoire en faisant de la musique et de la vidéo après. Et en même temps, il faut quand même rester efficace un minimum pour que les gens soient, enfin, ce soit intéressant de le jouer en live, quoi. C'est quoi cette inspiration, ce que j'ai senti du Batman Beyond, tout ce qui est manga futuriste aussi, et Ouais. aussi sur Out of Gravity, Ghost in the Shell. J'ai pas entendu? Ghost in the Shell aussi. Ouais. Bah, j'ai vraiment plein d'inspirations. C'est dur de résumer. On a fait un titre d'ailleurs qui s'appelle, qui est pour le deuxième album, qui s'appelle Back to Neo Tokyo 2047. C'est un titre où on reprend bon, des animes classiques hein, comme New Evangelion. On reprend Akira. Enfin, quand je dis on reprend, c'est-à-dire que c'est pas la musique du manga, mais on reprend les images. J'ai fait un medley entre d'images entre Akira, Evangelion et Ghost in the Shell. Donc une succession des trois sur voilà sur une musique japonisante. Qui commence avec une musique japonaise très conventionnelle, très classique en fait, avec un beat un peu pour accompagner ça. Puis après, petit à petit, on migre vers du rock metal cyber. Et à la fin, il y a une voix par exemple qui délivre un message. Et je garde le mystère, mais si vous venez nous voir en live, on la joue déjà. Donc, ça, c'est un exemple. Mais voilà, comme je te disais, il y a vraiment. Moi, c'est principalement. Ouais, enfin, c'est pas principalement en fait. Hein, en termes de musique, j'écoute beaucoup de musique de films, donc je vais avoir des références à ça. Ça va être, comme je disais, Blade Runner. J'adore ces deux films-là. C'est vraiment, j'adore. Même si c'est long, c'est chiant à regarder, il n'y a pas d'action, mais voilà, pour l'aspect vraiment immersif, je trouve ça excellent. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Puis, alors des trucs classiques, ça peut être Star Wars, par exemple. Nous, on fait des cafés-concerts, on fait aussi des conventions. Bah forcément, on va faire un titre là. Qu'on n'a pas encore joué, mais qu'on va jouer au mois d'octobre si c'est pas annulé. Un medley Mandalorian versus Dark Vador, où là pour le coup c'est une reprise des thèmes. Bon, bah forcément, il y en a qui peuvent trouver ça un peu kitsch. Moi je trouve ça. Voilà, moi je trouve que tous les univers sont intéressants à travailler. Donc en convention, ça va être excellent. C'est pas forcément un titre qu'on va jouer en café-concert par exemple. Là on va plutôt se concentrer sur des trucs plus originaux. Originaux en termes de. Dans le sens où c'est pas une reprise quoi. Mais donc ça peut être ça peut être. Moi j'adore les bandes dessinées, hein, je suis un fan du Métabaron, je ne sais pas si tu connais. Donc tiré de l'Incal, un personnage de l'Incal. Voilà, c'est un personnage que j'adore. Enfin, c'est pas un personnage puisque c'est toute une saga. Donc je m'inspire. En fait, je m'inspire beaucoup plus d'univers de ces choses-là plutôt que d'univers musical. Hein. Je ne sais pas si j'avais été. Bien que j'écoute quand même de la musique, hein. Pour un musicien, c'est normal. Mais finalement, j'en écoute pas tant que ça. Parce que j'ai pas forcément le temps de tout faire en même temps et j'ai pas cité The Expanse aussi une série sur qui est tirée d'un bouquin d'ailleurs
qui est une série bien mortelle. Hein, s'il y a des fans de science-fiction qui m'écoutent et qui n'ont pas encore regardé cette série, je vous la conseille tout de suite. D'exploration, enfin, c'est assez énorme. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai suffisamment détaillé les inspirations. Et là, en tant Dis-moi. que gamer, t'attends les nouvelles consoles? Avec impatience ou quoi? Alors moi, je suis plutôt gamer PC, pour le coup. Pas que j'aime pas les consoles, hein. J'ai eu des PlayStation 1, 2, je me suis arrêté et puis je me suis concentré, resté sur le PC parce que comme j'ai un gros PC pour faire tout ce que j'ai à faire, bon, bah, j'en profite pour gamer là-dessus. Puis c'est plus facile d'upgrader, de gérer un peu ce qu'on a envie. Puis voilà, ça fait bien un bon paquet d'années que je fais plus que du gamer PC, donc j'aurais du mal à revenir à une manette. Je vois. Après, ces deux écoles, les deux sont bien, hein. Moi, je m'en fous, mais je suis plutôt là-dessus. En game, en ce moment, je suis sur Fallout 76, même s'il a été un peu décrié, on se tape quand même des barres de rire avec mon frangin. Voilà, par exemple, des jeux Subnautica, je sais pas si tu connais, un jeu d'exploration sous-marine, bon, le mec qui se crache sur une planète. Et puis, qu'est-ce que. Ah, avec beaucoup d'années de retard, j'ai commencé StarCraft 2, la campagne Terran. Bon, voilà, ça fait aussi partie des inspirations, forcément, hein, puisque. Alimenter en fait l'imaginaire avec tous ces différents secteurs. Voilà. Quand après on se met devant son PC pour composer, bon, on a déjà plein d'idées, on n'a pas commencé quoi. Alors que voilà, écouter de la musique pour s'inspirer de la musique, je trouve c'est vachement restrictif parce qu'en fait on va avoir envie de copier. On dit ah c'est super, j'ai envie de faire un peu dans le même style, mais au final ça n'apporte rien de refaire la même chose. Alors que s'inspirer d'autres univers artistiques pour faire quelque chose dans la musique. Ou vice-versa, hein. Un mec qui peint un tableau, j'imagine qu'il va plutôt écouter de la musique que de regarder tous les peintres, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Je trouve ça plus riche, en fait. C'est de faire des ponts entre domaines artistiques. T'as un projet cross-média? Cross quoi? Cross-média. Je sais pas ce que ça veut dire. Par exemple, musique, image, ou avec une bande dessinée, ou Ah. un dessin animé, d'équipe. En dehors du goût du projet, non. Enfin, le projet en est déjà un Enfin, peu, puisque. dans le projet. Alors, enfin, comme on fait de la vidéo, si tu veux, c'est un peu cross. Je proposais par exemple un Blu-ray Ah. directement avec les images. Non, non, mais j'aimerais bien. Ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment. Voilà. S'il y a bien, en fait, une direction vers laquelle j'aimerais aller, c'est celle-ci. Après, je sais. Aujourd'hui, j'ai pas forcément le réseau ou les connaissances, les. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, enfin, à un moment donné, si on veut partir sur des choses plus dans ce genre-là, il faut un petit peu collaborer avec d'autres artistes. Pour l'instant, voilà, j'en suis pas là, mais clairement, ça pourrait être une direction hyper intéressante. Puisque, comme je te dis depuis le début, Entropie Zéro, finalement, c'est pas juste de la musique, c'est vraiment musique et vidéo, quoi. Donc voilà, là on a fait un clip. Le prochain clip, parce que j'ai déjà le prochain clip en tête. J'aimerais faire un intermédiaire entre un court-métrage et un clip. C'est-à-dire que là, le deuxième album va amener un univers permanent pour Entropie Zéro, avec voilà, un espèce de scénario derrière, toute une thématique enfin, là, qui va être développée vraiment très concrètement par rapport à de l'ASF, qui va reprendre des choses un peu classiques, mais traitées avec ma patte. Et du coup, le prochain clip. Qui sera pour l'année prochaine, parce que là ça va être un peu plus conséquent en termes d'organisation. J'aimerais bien faire un truc un peu intermédiaire, court-métrage, clip musical. Donc là on peut peut-être passer encore un step pour dire voilà, ce sera presque un. Enfin, ça, pas presque, ce sera un mix entre un court-métrage et un clip. Donc encore un support différent, on va dire. Ok, ce serait bien ça. T'as des projets pour la scène là? Alors, en ce moment, c'est un peu C'est bon, c'est compliqué. bloqué, mais. Aujourd'hui, on compte les concerts qui sont annulés. On a déjà un paquet. Bah, techniquement, on en a deux de prévus pour le mois prochain. Donc, une petite convention sur Nantes et puis un gros truc à Angers. Pour l'instant, c'est maintenu. Voilà. Je dis pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va donner d'ici mi-octobre. J'espère. Ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur scène, donc ça commence à être difficile. Enfin, difficile. Ça manque quoi. Je pense que c'est pas prêt de s'arranger instantanément. Donc voilà. Oui, ah ça oui, pardon. On joue avec Porn au Ferrailleur fin mars.
normalement, de 2021. Et voilà, sur les choses vraiment concrètes. D'accord, je te laisse le mot de la fin pour l'interview, ce que tu peux y dire pour ceux qui te connaissent et ne connaissent pas. Et ben, je dirais que la réponse est 42. Vous chercherez, vous trouverez pourquoi j'ai dit ça. Merci pour l'interview.